tigre. Une histoire de Yaniut. Joséphine aimait se promener, surtout dans la forêt toute proche de la petite ville où elle habitait. Le crissement de la neige sous ses bottines était le seul bruit qu'elle entendait. Mais était-elle bien seule? Joséphine ne l'avait pas entendu arriver. Elle s'arrêta, pétrifiée. Tigre faisait des ronds autour d'elle. Il la reniflait bruyamment, comme s'il était un remous. De sa tête, il poussait le bras de Joséphine. Sans réfléchir, elle passa la main dans son poulet. Elle sentait sa chaleur à travers son manteau. C'était agréable, surtout par ce froid. Qu'est-ce que ce tigre faisait tout seul dehors dans la neige? Tu viens avec moi? Demanda-t-elle en arrivant à la lisière de la forêt. Il n'y avait plus personne dans les rues. Et sans être vu, ils rejoignirent sa maison. Elle avait quelques restes du repas de la veille, juste assez pour un tigre affamé. Il avala le tout en une bouchée. Le lendemain, un ronflement énorme réveilla Joséphine. Le pelage de tigre était doux sous ses pieds, très différent du plancher froid et rugueux. Tu viens avec moi faire les courses ? Demanda-t-elle. Elle noua un bout de laine autour de son cou. Chatouilla derrière l'oreille et chuchota. Les gens auraient peur si tu te prends pour libre. Lorsque Joséphine et son ami entrèrent dans la boulangerie, les gens se ruèrent dehors. Merci, tigre. Je n'ai jamais acheté un gâteau aussi vite. Pouffa-t-elle. La maison n'était plus silencieuse désormais. Elle lisait, elle rêvait. Grrr, grrr. Peu à peu, la petite ville s'habituait à Tigre, à l'exception de Titus le Tekel, qui s'était fait sa propre idée. Des heures durant, Tigre posa pour le peintre Pierre, qui fit de lui un portrait sauvage. Tigre put aller à l'école avec Charles, le voisin, qui l'emprunta pour son exposé.
Et le samedi après-midi, il faisait le cheval pour les enfants du quartier. Une nuit, le silence réveilla Joséphine. Elle trouva Tigre dans le cours. Mon petit Tigre, que se passe-t-il? Où sont donc tes rayures? Besoin de prendre le large, murmura le docteur Wolf, le meilleur vétérinaire de la ville. Que dites-vous, docteur? Le patient veut voir du pays, son pays. Il veut redevenir un tigre. Oh non, s'exclama Joséphine. Est-ce que vous en êtes bien sûr? Le cœur serré, Joséphine acheta des billets pour un long voyage en bateau. Un aller-retour pour elle et un aller simple pour elle. Non. Non. Joséphine leva les yeux de son troisième. Tu as l'air beaucoup mieux, Tigre, dit-elle. Le docteur Wolf avait raison. Non. Non. C'est ça, ton pays? Tu avais envie d'y aller? Non. Sur le quai, des odeurs et des couleurs étonnantes les accueillirent. En route pour la jungle et vite, dit Joséphine à Monsieur Quiette. Celui-ci se faufila à travers les rues comme un serpent en direction de la verte forêt. Joséphine ne raconta jamais leurs adieux. Ils durent être très tristes. Le voyage du retour dura une éternité. Elle n'avait même pas envie de lire. C'était l'automne. Froid et humide. Comment va-t-il? Se demandait Joséphine. Elle était si perdue dans ses pensées qu'elle ne remarqua pas Monsieur Martin, avec qui elle avait pourtant l'habitude de s'arrêter pour discuter. Dans la ruelle face à la poissonnerie, elle le vit. À qui appartiens-tu, mon petit? À personne, dit la poissonnière. De temps à autre, je lui donne à manger. Avec moi. Il me reste assez de nourriture pour chacun. Et je le fais. Un doux ronronnement la réveilla. Joséphine souleva le petit chat et le serra contre elle. Oh, que tu es mignon. Tu mérites un nom. Je t'appellerai Tigre.